au nord-est de Sétif, s'étend la vaste forêt de chênes de Tementout. Les chênes Zen et Afares perdent leurs feuilles. Ce sont des espèces à feuilles caduques. Ce sont aussi des espèces qui affectionnent les hautes altitudes ainsi que l'humidité. Dans les bas étages règnent le chêne liège et ses sous-bois. Le chêne liège est une espèce à feuilles persistantes. Les forestiers locaux constatent que les pressions anthropiques qui pèsent sur cette forêt écuyenne de chênes ont fragilisé ce milieu naturel. La forêt domaniale de Tementout est le prolongement naturel de la chaîne des Babor. Elle s'étend sur 3173 hectares. Elle est située à l'extrémité nord-est de Sétif, à 80 km du chef-lieu de Wilaya et à une trentaine de kilomètres à vol d'oiseau des côtes méditerranéennes. Cette forêt renferme 4 espèces de chênes, 1900 hectares de chênes zen, 340 hectares de chênes verts, 35 hectares de chênes afares. La forêt de chênes liège s'étend sur 900 hectares. Celle-ci revêt un caractère économique majeur. La forêt de chênes liège produit jusqu'à 650 quintaux à chaque récolte qui s'effectue une fois tous les 9 ou 10 ans en fonction des conditions climatiques. L'air du chêne liège. Cette forêt fait partie intégrante de la réserve naturelle des Babor grâce à sa riche biodiversité floristique, notamment les plantes médicinales existantes et à son avifaune rare, à l'exemple de la cité kabyle des Babor. La cité dispose d'importants habitats à Tementout. Sa population est en nette progression et les Babor ne sont qu'à 7 km à vol d'oiseau d'ici. Cette importante forêt de chênes liège des Babor reste des plus fragilisées. Celle-ci souffre des problèmes des incendies, de son âge avancé, celui des difficultés de régénération ainsi que du réchauffement climatique. La forêt a subi de nombreux incendies. Qu'est-ce qu'il faut faire ?
Cette forêt de chênes liège fut naguère parmi les plus importantes forêts méditerranéennes productrices de liège. Elle fut aussi parmi les plus denses forêts du Maghreb. Optimiste quant au classement des forêts des Babors en tant que réserve naturelle, et ce, dans les meilleurs délais. On pense que le dossier de classement est en voie de concrétisation. Les autorités concernées apprécient la riche biodiversité floristique, faunistique et avifaunistique que renferment ces biotopes de portée internationale. De pans entiers des forêts de chêne vert et de liège tentent de nos jours à se régénérer. Il s'agit donc d'une bonne reprise après les feux dévastateurs des années précédentes. La biodiversité à l'échelle mondiale, il y a un problème, l'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale. Actuellement, il y a un grand souci pour la préservation de cette biodiversité parce que la vie elle continue par la biodiversité. En conservant la biodiversité, on peut conserver, c'est une conservation de la vie sur Terre. Et notre région, la région de Gigel, elle se trouve donc sur la rive sud de la Méditerranée. Elle fait partie des grands hotspots de la Méditerranée. Hotspots, c'est-à-dire les points chauds de biodiversité. D'ailleurs, elle est classée en 2007 comme le 11e point chaud de la biodiversité. Elle fait partie de la petite Kabylie. Donc ce point chaud, Il intègre la Grande Kabylie, la Petite Kabylie et la Numidie qui se trouve vers l'est de l'Algérie. Cette biodiversité de la région de Gigel, il y a sur le plan diversité d'écosystèmes, des écosystèmes, on trouve il y a des massifs montagneux, il y a des zones humides, il y a du littoral, etc. Cette biodiversité, sur le plan des écosystèmes, cette diversité écosystémique, elle crée aussi des zones ou des biotopes. Ces biotopes ont un impact aussi donc sur la création d'autres espèces, chaque type de biotope. Par exemple, les espèces qu'on trouve dans les zones humides ne sont pas les mêmes que les espèces qu'on trouve dans les forêts. Par exemple, dans les forêts, les montagnes, etc. C'est une diversité donc sur le plan population, sur le plan génétique et sur le plan aussi écosystémique. La forêt de Tementut
constitue l'un des éléments essentiels du grand écosystème que constituent les massifs des Babars. Il s'agit d'un écosystème de portée internationale des plus complexes et aussi des plus fragiles. Apparaissent les monts de Tementut et Temsgida à partir des piémonts de Tababort. Ces massifs sont livrés à l'érosion à cause de la déforestation due surtout aux incendies.
Le pic Temsgida est situé en pleine forêt, en pleine forêt domaniale de Tementout. Cette fameuse forêt, comme on le sait, est située sur le territoire de trois wilayas différentes, en l'occurrence la wilaya de Sétif, Mila et Jijel. Possède trois cantons dont la superficie totale dépasse les 600 hectares, qui sont le canton Temsgida, le canton Benyagis et le canton Achou. À une altitude, d'ailleurs le pic a une altitude qui dépasse les 1700 mètres. Elle est caractérisée par un mélange de chêne à Fares plutôt, qui caractérise, comme je vous ai dit, la zone et qui va jusqu'au territoire des Babors. En réalité, Jbel Temsgida n'est qu'à quelques encablures des monts des Babors Tababort. Cette forêt domaniale sont caractérisées par l'existence d'un mélange de chênes zen et de chênes afares. D'ailleurs, ces deux espèces arrivent jusqu'aux limites de la wilaya de Sitif, c'est-à-dire les montagnes des Jbel Babor. Du côté de Mila, ils vont jusqu'à la forêt de Tsementsu, toujours, qui est d'ailleurs d'une superficie qui dépasse les 3000 hectares pour les trois wilayas. Les endroits humides de la forêt de Temsgida sont pleins de vie. À côté des mousses, on trouve des lichens. Sur ces dalles de grès poussent l'érable. De Benyagis est une zone considérée comme, commune montagnarde parmi les 23 qui existent au niveau de la wilaya, c'est-à-dire les 23 sur les 26. Benyagis est une région
Temsguida se distingue par ses forêts de chênes zen et chênes avares. Aux chênes s'ajoutent les frênes et l'érable. Les chênes atteignent plus de 30 mètres de hauteur. Les hautes montagnes souffrent du pacage. Le pic de Temsguida atteint près de 1700 mètres d'altitude. L'un des On souhaiterait que les riverains fassent moins de pression sur la forêt de Shenzhen, et ce, afin de lui permettre de se reproduire. Climatique, c'est un problème mondial. C'est un problème mondial et ce réchauffement a un impact sur la dégradation ou des écosystèmes. Par exemple, dans la région, dans notre région, on constate qu'il y a une régression du couvert végétal. Dans certaines zones de l'Algérie, il y a des zones qui étaient avant humides, actuellement on les trouve, c'est des régions arides, elles deviennent arides. Dans la région de Gigel, pour cette conservation, l'effet du réchauffement climatique, il n'est pas vraiment constaté dans la réalité, mais la dégradation, elle est remarquée dans certains écosystèmes, par exemple, beaucoup plus, c'est l'impact des activités humaines qui est en train d'accélérer cette érosion de la biodiversité. Comment atténuer toutes ces pressions anthropiques? D'une richesse floristique encore intacte, les massifs forestiers de Temtut et Temsguida nécessitent un plan de gestion plus adéquat. Les nouvelles donnes climatiques, dont la tendance est à l'accentuation de l'effet de serre, menacent ces forêts. Il s'agit donc d'une meilleure gestion de ces sites forestiers longtemps vulnérabilisés par l'homme.